Oya ko delivera oti ndi sanguma eh yewe to tele na maboko na Yesu ngaye to lingili susu pasite na komo na Yesu papa sanguma bisonze na yoponio o bata sene baponio bata sene baponio administratif bangomoko ba sepeli ko yamba d'abord président constitutionnel au constitution mibeko li konzi amboka et autorisé à assumer intérim donc sanguma aza espoir ya ba administratif ya sénat et puis aza espoir à peuple congolais pourquoi aza na système ou au sale za gestion orthodoxe au moni so to zongi na assemblée nationale ba ndekonani président Mboso akabola ki ba directeur après c'est bango ba dipa sika après si ba administratif façon bien ba ba bis maintenant sénat il est là la salle 3 ans ba sili si ok ne ba ta kiya ti ka consomme ta bis mon côté ba di sénat ba zonga à travers ba 257 tout monde ba ngona ba re awa ba futa ba transport 257 sénat ils ont la bis mon côté à part bis ta mon ba ti ka pe kufa déjà bis mon côté toilette on a sur kiboké na niveau toilette c'est toujours Tamouamba qui avait fait ça. Donc nous pensons que l'administratif à Sénat a raison, il y a aussi Pélana, le révérend pasteur Sangouma Temongon de Mossai, le professeur, il y a attend il y a 30 minutes ou soit même il y a une heure de temps. Donc vina changer. Contrairement à la déclaration de membre FDC, qui réunit sa déclaration soi-disant les administratifs à Sénat, il y a un monde puisque. La nature doit vous enseigner elle-même par rapport à la mobilisation, tous les limites administratifs à Sénat. Et ce n'est pas Sangouma qui a demandé à ces administratifs de pouvoir se mobiliser pour l'accueillir. Donc c'est eux-mêmes qui se sont mobilisés pour venir l'accueillir. Nous pensons que moi, je suis au Sala. Donc, condition de vie administratif à Sénat est changée. Sangouma, c'est un homme qui n'a pas puisque vous ne le connaissez pas, c'est un pasteur. Et c'est un grand philosophe. Si ce monde aujourd'hui est changé, c'est grâce aux philosophes. Puisque j'étais parmi les philosophes de la lumière. Bonbon et lumière, philosophie à Jésus, mais Mela Kibiso. Donc, quand un serviteur de Dieu, Azawana, et surtout qu'il est aussi protestant, donc croyez-moi que non, nous sommes allés changer, n'attendons pas que, puisque Azana nous a dit, pour nous côté de l'organisation, à cause de ça, nous avons cassé les cas. C'est Aza Moutouo, Aye Bani, la nouvelle communauté Ebele. Donc, pour moi, on a changement et compte en administration à Sénat, dans mon unité Mouké. Je suis un homme qui a été Papa social, mon dama kambu, mon dama nzambe, yede toze la, ma kambe bongi toze ya gosepe la. Toi zalagi ali boso, a baby si ma solo. Tenu mito koufa, telaka ndeto zabo yombongo, j'en vino, tozute ti lelo.
tous les temps en février, photos de cela fait maintenant tous les tous au Kemba. Donc nous avons monté ma cambouille aïe, papa social, aïe au bon, ça donc c'est ma cambouille, n'est-ce pas là qui, yende ma cambou, bangote, yende ma cambou. Tous les c'est parce que ça délivrance la bison, nous avons tous la corruption à casser, la corruption à casser. Mais nous avons oyo, initiative à ça, nous avons au bon, ça bison. Tu fais tenir la banane à l'aide. Bana baliete, babif. Oui, pour la première fois, banda, ndakotongo, banda, ce n'est banda. Soit que c'est la babif. Non, ils vont filmer babif soana. Babif soana, soit côté la son, c'est la honte du pays. D'abord, vous avez fini sa chef de l'État. Donc, bataboye, tu habites sur ma zone, c'est institution moussoussou. Tu as besoin de toi, ma papa, Oyo, Alingi Batou. Non, tu es sepelana, il passe ton yo kamimingi. Fini la récréation. C'est là, tu es, papa, pour voir où tu es pas en zam. Donc, là, nous avons pas yo. Sala Moussala, on se paye ça. Pour voir les apprendre à se servir, tu n'es pas en servir. Il y a des gens qui sont malades. Peut-être que tu es un que Aya, Asala Malamu. Soit Asala Malamu, car Abiso est sous-doré sa chef de l'État, parce que Fatia est là-bas. Elle a répondu qu'il va voter soit la président du Sénat. Hello, Awa, papa. Tous en apposa ya ko sepela. To changer awelo ko ezate to soku fana zala na posa mai. Na passe le ki na Congo. Toko li ya nini toko futa ndako dege nini. Toza na pasi. Mbonge zo mwana na te. Elo kweza te mama yeso kote na biso na ndako. Toko pife dege nini papa na biso asonga biso. Toza na mbaleki na sima. Toza na eloko te. Na ane eloko mwaka na ndako te. No fife dege nini. Toza na pasi. Kongwe shanje. Papa na biso zamba kote na mtema na yo osonga biso. Awa nakacha mabele. Toto yeba kosa na dege nini. Toza na bandako ndako eloko eta te. Maman a koufi, papa a koufi, ton est l'autre côté. T'es dans son et la yo mon cousin, son gabiso, et on compte à la moutée manayo. Azoya, initiative n'est d'abord à ce moment-là, soit bis, et puis la salaire n'est pas fina, les loyaux, toujours à Goma, t'as mon ton et c'est mon yambaye. Tu es bien que vous conseillez ou t'es pas en zambé, sauf à la mine de Kouana à Okende. N'est pas l'une à toi, c'est ton père, c'est mon abiso. Ah, ngana lina bak saboy. Musala ya l'état eza ya individité. Parce que ba memi biso na ndenge ya ba menace, ya koluka kolongola ba tu musala so muta déclarer droit. Or que ça droit ya mutu. Mais muta komi lokola empereur atia ka terreur na bisika ya musala, c'est pas bien. Ko tia ba agent secret ba memaka ba kambu, ko kende ko fundaka, ko menacer ba agent ba administratif ke alongola bango musala. Eza bongo te nous sommes des humains. Ndenge yaza na mabota ndenge biso pe toza na mabota le lot de mois impayés batu bazo vivre ndenge mabota zo pan ba leki ba sali montage o ba matsa salaire fois 4 obi mabala batu kombia panzi nanda ku ba désordre koti ok ça oui wana bati ok salaire mata fois 4 te eza le kuta et puis ba sa ba montage ya collection na bate to cela qui départ parce que azala qui ko menacé. Ate azo pesa batuba kenda kufunda l'ex président abandai ko soki au lobby bazui kombo nayo bake ko pesa pa naye alongola musala alors batuba koma ki na se a terrain moye ba manifester ezate tozana besoin ya ba politicien baso banga ensemble lokola ya sa pasteur esengeli alanda lokolo ya liloba ya ensemble ya ba okilti c'était o bayaka ko menacer batuko ko monta batu pas tant batuba olela. Il y a pouvoir et son matate. Il y a assez à ma cambre tant qu'il y a moi en ensemble. Population et CP en aïe. Topé ça y est, le Kumu a ta longue histoire éthique à laquelle Sangoulouma a bongi sa qui administration. Négatif, papa, négatif. Ou en a soye bisayo, et ça qui va montage à Sangi si batounaye pour n'a pas l'ouka qu'on promouvoir. Or que vérité ça bon côté. Bisob administratif, le lot, n'est au solo. Preuve à l'appui, bozomo la population. Administratif n'est pas mobilisé. Il y a quoi yamba mutuasik. Mutuasaki malam. Mais tu regrettes. Mais au moment le lobby sont au CPL en départ naie. Ça veut dire à ça qui mabe. Jamais à côté kalaka kozongate. À côté kalaka kozongate. Attends le règlement intérieur bien. Attends le règlement intérieur bien. Le col aya démissionna qui a sous sénateur. À côté kalaka pe kozonga sous awa.
De la séance plénière du mercredi 28 février 2024. 3. Examen et adoption du projet de résolution portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de chefs coutumiers désignés pour cooptation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les lots Tozalaki na plénière, Oyo hors du jour, Ezaki consacré na Mayo Italie. Commission où il fallait tout ça là pour vérifier le dossier. Il y a le chef coutumier où tout ça a une obligation de co-opter pour constituer effectif le nombre de députés provinciaux à 48. Puisque jusque-là, il faut boire avec tout ça en 44. Tout ça a causé la 4 où il y a beaucoup de chef coutumier. Voilà, mon sali où tout ça a été créé. La commission est déjà créée. Et lobby après lobby, Bokoye, Banane et Bazali, co-constituer la commission. Ils ont été plus importants pour les gens, mais ils ont été plus importants pour un jour. Et après un jour, Togolanda vraiment mis en place les gens. Totinda ont été niveau de Séné, puisque Kostara Manamis, il y a un secrétaire exécutif de Séné. Il faut les informer bien avant, trois jours. Et ceux qui ont appelé Sibiso, une réponse très favorable. Si pas mardi, mercredi, Togozara Awa, pour tous les canaux, ils ont été coopté par le chef coutumier. Oyabiso, na souci ya que toko kisa nombre oyezare ki pona débuta pona assemblée provinciale de la Kinshasa. En fait, aujourd'hui il était question de constituer une commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers pour des recommandations. Je crois que après avoir franchi la première étape par le bureau provisoire. Aujourd'hui, il était cette question-là. Le travail a été fait. Vous êtes sans ignorer tout ce qui s'est passé ici. Je crois que d'ici demain, après-demain, vous serez fixé sur les membres faisant partie de cette commission. La durée du travail est de moi. On doit faire tout de sorte que nous puissions respecter les délais. Voilà. Oui, en ce qui concerne les camarades, qu'on appelle communément double brassard, c'est-à-dire élu provincial en même temps national. D'après la loi, ils ont tous un délai de 8 jours pour pouvoir se prononcer, soit rester avec nous, soit rejoindre l'Assemblée nationale. Voilà. L'Assemblée est composée de 48 députés, il y a 44 qui sont élus et 4 qui sont cooptés. Alors, on a coopté pour côté en Assemblée et c'est pour étudier nos dossiers. Nde Moussala Oyo, bureau a été en place et longo na 10 députés et provinciaux Oyo bako former commission moko bako étudier ba dossier na bango pour que ba mona moya ko cocter bango. Mais malheureusement toza ko apprendre que za na ndeko moko chef coutumier moko Oyo déjà koufi toko tala kanaye et puis koye bandenge nini toko zo supplier na ye ya liboso te population na ngai ya Kimbantse ke faut baza na kimia. Toza jusque là dans le prairie. Donc na nous vraiment to bandi ba pinch wana makasite. Tant to ko banda yango priorité des priorités aller sika na uti. Sika na uti za kimbanseke mikondo. Hein bande ko wana bazana banzela te ba erosiozo boma banda kuna bango tout consort. Tozali awande pour parler d'eux. Et je pense que to ko ça là tout ce qu'il faut faire l'état a ko bongisa mikondo a ko bongisa kimbanseke. Kimbanseke bandi ko banda mikondo kingasani buma bikuku Saint-Hilaire ke mukalio ke cimetière tozana 48 quartiers nyonso ezaya ko kufa
Mais le fait que Naza na botami na mikondo, na koli na mikondo, toko banana nous na frontière entre Nsele na Kimbanseke ezali Mayantwenge. Toko banana nous wana pona kota la qu'est-ce qu'il faut faire. Provisoirement. 38 députés sont présents. 6 députés sont esquisés. Il s'agit des honorables. 1. Boloko le Lombo mon plaisir. 2. Diabanza Monané ne martyr. 3. Yeli Molangi Edi. 4. Kaza di Kankon de Pite. 5. Mouluba Kongolo en Kongolo Gira. 6. Mouyaya Katembo et Patrick. Aucun député n'est absent. 4 sièges sont à pourvoir. Les quorums étant largement atteints. L'Assemblée plénière siège valablement, conformément au prescrit de l'article 64, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D. De l'ordre du jour. Les bureaux provisoires proposent l'ordre du jour qui comporte 4 points qui voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. D. Lecture et approbation du procès verbal numéro 03/APK/SE/février/2024 de la séance plénière du lundi 26 février 2024. 3. Audition et adoption du rapport des travaux de la commission spéciale chargée de la vérification des pouvoirs des élus provinciaux de Kinshasa. 4. Validation des pouvoirs. 3. Du déroulement des travaux. À la reprise de la séance, à 13h34, l'Assemblée plénière est nouveau saisie par une motion de l'honorable député qui souhaite ce qui suit. En lieu et place de l'appel nominal, que la référence soit faite à la liste de présence en vue de permettre l'Assemblée plénière de gagner du temps. L'élagage du point relatif à la lecture du procès verbal, étant donné que le document irrelatif est déjà entre les mains des honorables députés. À ces propos, l'Assemblée plénière, après quelques interventions des honorables députés, pense que ces questions pertinentes doivent être débattues en commission lors de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur ces entrées faites, l'Assemblée plénière adopte tel quel les 10 ordres du jour. 2. Lecture et approbation du procès verbal numéro 03/APK/SE/février/2024 de la séance plénière du jeudi 15 février 2024. Après lecture par les premiers secrétaires, le procès verbal est approuvé par l'Assemblée plénière moyennant amendement si l'effectif des 44 députés en lieu place des 48 députés. L'ajout des 4 sièges à pourvoir. 3. Audition et adoption du rapport des travaux de la commission spéciale chargée de la vérification des pouvoirs des élus provinciaux de Kinshasa. D'entrée de jeu, les présidents de cette commission donnent l'économie générale du rapport sous examen avant de céder la parole sur autorisation du président du bureau provisoire au premier secrétaire de la commission pour lecture intégrale du dit rapport. Suivant les conclusions du rapport sous-évoqué, la commission constate que les dossiers des 44 députés remplissent les critères requis pour la validation de leur pouvoir. L'intégralité de l'économie générale ainsi que celle du rapport sous-examen sont reproduites dans les comptes rendus analytiques et les annales parlementaires du jour. Les débats généraux ouverts. Aucune intervention n'y est enregistrée. À cet effet, l'honorable président du bureau provisoire déclare clos débat général. C'est ainsi qu'il soumet aux voix les rapports de la commission spéciale chargée de la vérification des pouvoirs des députés élus provinciaux de la ville de Kinshasa. L'Assemblée plénière l'adopte sans amendement. Sur ce, l'honorable président remercie les membres de la dite commission pour le travail abattu et les prix de regagner leurs places respectives sous les applaudissements de l'assistance. 4. La validation des pouvoirs des députés élus de la ville de Kinshasa. Conformément aux conclusions du rapport de la commission spéciale si haut évoquée, l'Assemblée plénière se prononce à l'unanimité pour la validation des pouvoirs des 44 élus provinciaux de la ville de Kinshasa. En conséquence, les présidents du bureau provisoire les proclament députés provinciaux de la ville de Kinshasa et les présentent à l'assistance. Il s'agit des honorables 1. Ami Soyoka Lumbi Labor. 2. Boloko le Lombo Mon Plaisir. 3. Kano La Rose Jeannot. 4.
Dikoui Sinkete Jean-Paul, 5. Diapanza Mwananene Marti, 6. Iyeli Molangi Daniel, 7. Iyeli Molangi Edi, 8. Kabasele Tubaji Kamike, 9. Kabenda Kayuwa Israël, 10. Kadima Kabongo Justin Moïse, 11. Kafuti Kiyamba Pati, 12. Karomon Kilala Pepito, 13. Kalonji Kalonji Ogi, 14. Kanefu Bahati Edith, 15. Kassindi Mafolo Joseph, 16. Kazadi Kankonde Peter, 17. Kebongo Raphaël Raphaël, 18. Lukwebo Musengo Fiston, 19. Lumbu Kukiel Eduk Eden, 20. Mabaya Kashik Jacques, 21. Matanda Simayamba Norbertine, 22. Maïbandi Luanga Divengi Dieu Merci, 23. Mbonzo Lameso Franck, 24. Mboko Swamus Kepai Honoré, 25. Mbuta Samupamba Levi, 26. Mubenga Lumbala Pati, 27. Mubenga Ikamanga Socrates, 28. Mukano Isukama Oban, 29. Mulumba Nkongolo Wankongolo Gérard, Jekoko, 30. Mounje Biana Jacques, 31. Mouya Yakatembe Patrick, 32. Ngoï Mvouzi Jean, 33. Nyangi Kaonda Olivier, 34. Kongolo Kongolo André, 35. Ntambwe Mpochi Charmon Eliezer, 36. Twene Moussiloué Mao, 37. Osango Nsenga Lambert, 38. Mpoungu Malamba Dilan, 39. Samba Mwamolele Clovis, 40. Chakob Wood Constantin, 41. Cheke Wadomene Lakou Jésus Noël, 42. Tembe le Boukou Jean-Jacques, 43. Chibala Bala Mukunai Franci, 44. Chinyamba Mpemba Germaine, sur ce. Les bureaux provinciaux se disent satisfaits et se félicitent d'avoir franchi la première étape de sa mission. Ils remercient les honorables députés pour la collaboration, la disponibilité et l'esprit de compréhension dont ils ont fait montre l'accomplissement de cette mission. L'orateur remercie également les personnels politico-administratifs pour son accompagnement sans faille. Peu avant d'élever la séance, l'honorable président s'est fait interrompre par une motion d'information de l'honorable député qui fait part à l'auguste assemblée de la spoliation et de la démolition anarchique dont fait l'objet les bureaux des services de l'État dans sa circonscription électorale de Sélé, par un particulier avec complicité de Madame la ministre provinciale de l'Habitat. Les mentionnaires demandent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de diligenter une commission d'enquête en vue de s'enquérir de la situation. À ce sujet, quelques honorables députés pensent que la question ne relève pas des prérogatives dévolues au bureau provisoire et qu'il faille attendre le bureau définitif pour l'aborder. Un autre honorable député saisit également l'Assemblée plénière par motion d'information pour évoquer la situation des agents de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au sujet de leurs 16 mois d'arriéré et propose qu'une solution soit trouvée à leurs différentes revendications légitimes. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Il est 14h57, fait à Kinshasa le 26 février 2024. Le président du bureau provisoire, Mboko Swamous Kepai Honoré, le premier secrétaire, Yeli Molangi Daniel. Merci pour votre attention. Et gardez dans les annales parlementaires qu'il y ait quand même des noms associés, parce qu'à chaque fois qu'on dit un honorable député, demain, cet honorable à qui vous faites allusion pourra avoir besoin de ses PV pour une exploitation quelconque, mais on ne saura pas, il s'agissait de qui. Non, pour les besoins politiques, ça peut se servir, mais quand vous parlez de l'ANCELE, par exemple, il faut clairement préciser qu'il s'agissait, par exemple, de l'honorable Sambo. Je ne sais pas si des pratiques parlementaires existent, sinon, ça doit être inséré, c'est quand même important. Je prends l'exemple également de la première motion soulevée par l'honorable Eliezer Tamboué. Et cette motion a donné naissance aujourd'hui à une commission qui est mise en place. Donc, ça nécessite quand même que le nom de l'initiateur de cette motion soit renseigné. Merci. Qui vous donne le pouvoir? Je propose à la page 4 qu'on puisse insérer
on puisse dire ce qui suit. En conséquence, conformément à l'article 18 du règlement intérieur, le président du bureau provisoire les proclame députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Parce que c'est cet article qui vous donne ce pouvoir. Et il est important de faire allusion à cet élément-là. J'ai dit. Si vous voulez que je puisse le lire, il est dit à l'article 18, l'Assemblée plénière se prononce sur la validation des pouvoirs de ses membres à la majorité absolue des suffrages exprimés. Deuxième paragraphe, le président du bureau provisoire proclame députés provinciaux ceux dont les pouvoirs ont été validés. Voilà pourquoi je préférerais qu'on puisse insérer cet article. Le nombre total de notre chambre, donc ça ne sert à rien de d'écrire provisoirement. Parce que la logique est que sur les 48 députés qui la composent, 38 députés sont présents, 6 députés sont excusés, aucun député n'est absent et les 4 sièges sont à pourvoir. Peut-être si on peut enlever provisoirement, ça sera beaucoup plus correct. Merci. Pardon. Voilà, je crois que cet assise doit être là. Soit on dit sur les 48 députés provisoirement élus, mais si on dit la composition, en termes de nombre de 48, je ne pense pas que ça aura une modification. Il faudra alors qu'on puisse bien reformuler cette phrase-là. Merci. Bah, Bipro, bah, 2024, février 2024, portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargé de la vérification des dossiers des chefs coutumiers désignés pour la cooptation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, réunie en séance plénière le 28 février 2024, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11-00D du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution en son article 197, alinéa 4. Vu la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi numéro 06-006 du 19 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, provincial et local, tel que modifié par la loi numéro 011-003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15-001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17-013 du 24 décembre 2017. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialement en ses articles 9.3, 14.D et 19 alinéa 1er. Ville originale du procès verbal des opérations de désignation des chefs coutumiers de la ville de Kinshasa est cooptée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les pièces jointes déposées au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante. Considérant la nécessité de pourvoir aux 4 sièges des chefs coutumiers de la ville de Kinshasa. Vu l'urgence, la commission spéciale est composée de 10 députés provinciaux, dont liste en annexe, désignés par l'Assemblée plénière sur proposition du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en tenant compte de l'équilibre entre les forces politiques au sein de l'hémicycle. Là, où est cette commission? Donc c'est pour l'aider. La commission n'est pas encore créée. C'est un projet. Nous acceptons que cette commission qui sera créée sera une commission qui sera composée de 10 députés. Et c'est à la fin que nous allons créer cette commission et la liste des députés viendra s'ajouter dans ce projet ici. Il y a un peu de temps. Je suis arrivé en retard.
parce que le Paris va plus vite. Même dans la bataille, aussi à Paris, nous ne pouvons pas venir à la bataille. Pour ça, pour tirer sur les gens. Donc, je suis un peu dérangée dans ma commune. Je ne sais pas si vous pouvez trouver des solutions pour moi. Je ne dors pas plus. Ça me rend mal. Une fois de plus, élaguer avant toute chose. Si vous autorisez, ou la plénière acceptez que ce rythme soit adopté, à ce moment-là, je pourrais revenir pour avancer le raison des tournants. Et parce que, suivant le règlement intérieur, la date de la cooptation de ce coutumier doit être signifiée à la CENI. Et cela, pratiquement 3 jours après l'adoption de la résolution, moi je vous propose la date du 6, le mardi prochain, parce que nous devons prendre le temps d'apprêter tous les textes, de saisir le secrétaire et le secrétariat exécutif de la CENI, parce qu'il doit être présent pour la cooptation des chefs coutumiers. Y a-t-il d'objection par rapport à cette question? La date doit être fixée par la BDR. Je vous propose la date du 6 mars. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Après vous toujours, 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 après vous toujours, toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapide. Ils achètent mon coup. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous sommes en abattu. Oyonan nous bas souscrire des bazoa. Donc ils ont vraiment été au bas le bakaki. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre le cool analyse. Alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool télévision, ouais, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc Eza et Loro Nabiso, Tosepe Laranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa cool. Et au moins ma chaîne Eza impartiale. Loro Nabino. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa cool, voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa cool, merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino, voilà. Ezali partager, voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a pris Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours. Ah. Toujours. Voilà. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Après vous toujours, 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 après vous toujours, toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide.
Ils sont très rapides. Ils achètent moko. Bah quoi ça a une confiance. En tout cas, nous sommes en abattu. Oh, on a nos bases scrutées. Donc, ils ont vraiment été au bal au bakaki. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre le Cool Analyse, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Afrique Cool, c'est la destination. Afrique cool, et ben cool, Afrique cool, ben cool, le quoi cool ma topi. Afrique toujours, toujours, Afrique cool, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et sa chaîne moko, bah quoi ça a une confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à battre. Oh, on a nos bases scrutées. Donc, ils ont vraiment été au bal au bakaki. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre le Cool Analyse, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Afrique Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Afrique Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc, Eza et Lorona Bisso, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Afrique Cool. Et au moins, une chaîne où Eza est impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense. Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Afrique Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Afrique Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Afrique Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo Afrique Cool. Merci beaucoup. Toujours. Ah. Toujours.